Salut et bienvenue dans le chapitre 6 de Dex, le chapitre du fail complet. Vous devez savoir que cet épisode a déjà été tourné et que là, bah, je vais continuer l'aventure parce que, en fait, depuis tout à l'heure, je tourne rien du tout et que je n'ai rien enregistré du tout, ni même le son, ni même l'image. C'est magnifique. Donc, résumé de la situation. Je suis sorti de mon affaire de hacking où je me suis foiré, où je m'étais foiré lamentablement devant le dernier adversaire. Enfin, devant la dernière défense du serveur pour m'empêcher de passer aux informations. J'ai réduit à néant la dette de Barbara, la vieille chanteuse, parce qu'elle avait une dette justement, ces trucs-là. Bon, bah, je me suis dit, j'ai cliqué dessus, j'ai pas fait exprès, je suis désolé. Ensuite de ça, je suis revenu. J'ai trouvé dans un entrepôt de méchants, de trafiquants qui étaient super sympas, une face super troll en plus qui ne sera jamais visible, où il y avait le truc pour avancer dans mes upgrades, dans mes implants, pardon. Et du coup, voilà, c'est la Synterface qui m'a permis d'avoir des trucs avancés, des implants avancés. Donc j'ai pu m'acheter l'emplacement supplémentaire, l'immunité aux dommages causés par l'électricité, l'immunité aux dommages créés par les Benjamins, les gaz toxiques, et c'est tout. Voilà, je me suis acheté ça, et bah ouais, du coup, malheureusement, je l'ai pas enregistré, donc du coup, vous l'avez pas vu, ce qui est dommage, parce que c'était bien, bien intéressant. Du coup, là, il fallait que j'aille où déjà. Elle me demande s'adapter ou mourir, c'était AG, la journaliste qui était dans le bar de. Ah mince, de comment ça s'appelle, de Beau Séjour, qui est le journaliste qui était avec la vieille, qui me demandait d'enquêter sur un truc. J'ai réussi à trouver des infos sur ce qu'elle me demandait, mais ça me renvoie à Finch qui est mort qu'on a retrouvé mort dans le premier épisode. Donc du coup, c'est un peu l'impasse là-dessus. Il reste l'espèce de gros connard à aller buter, l'ancien collègue du flic que j'ai trouvé dans la street, le cyberflic maintenant, ouais, il ressemblera à un truc comme ça. Donc ça c'est le truc de AG, ouais, le machin, ça c'est le truc que j'ai trouvé aussi, la mauvaise alchimie, voilà, bah, je vais essayer de faire ça, je vais essayer d'aller à la jonction, et de détruire le labo de Met, ou de je sais pas quoi, que Holm m'avait suggéré de détruire, l'autre médecin. Donc du coup, non c'est pas ça, arrête avec ça, je vais y aller, c'est à jonction, il a dit, oui il l'a dit, pour moi qui l'ai dit, c'est lui. C'est à Jonction. Et je sais pas vraiment où c'est à Jonction exactement. Ouais, non mais chier. Super Jump! Nanana! Ah, je peux entrer là-dedans, c'est sympa. Y'a quoi là-dedans? Huya! 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 Qu'est-ce que je fous là? Arrête de cliquer sur le stick. J'ai déjà fouillé cette zone. Ouais, j'ai déjà fouillé cette zone. Hop là, normalement je dois pouvoir monter au-dessus, hein. Je ne peux pas monter au-dessus. Ah, arrête avec ce stick. Attends, d'ici je peux le faire, voilà. Ouais, j'avais déjà fouillé ça. Les casiers sont ouverts, madame. C'est déjà passé, allez, oh. Alors, ouais, mais si je descends, ça fait quoi? Ah, ça fait mal, merci. Bon, je vais retourner voir le docteur pour. Non, je déconne. Non. Il était censé y avoir des méchants ici, mais je les ai un peu tous défoncés. Pas une entrée, il n'y a pas un truc. Merci à tout. Ok, mais tout ça, ça a été visité déjà. Ça. Manquer 100$, mec. Crevard pour 100$. Ah, bah voilà le labo. Ah, bah en fait, je l'avais déjà visité le labo. D'accord, sympa, cool. Oh, casse-toi, ça va faire boum. Est-ce que si en restant là, ça fait boum? Ça ne fait rien. Non. Fail.
C'est l'épisode du fail, j'avais prévenu. Hein. Il y a déjà un quart de l'épisode qui a été tourné sans être enregistré. Et là, maintenant, c'est le fail total. Est-ce que si je me mets là, c'est plus. Non. Bon, alors, on met la bombe et on sort du bâtiment. Qu'est-ce qu'ils font dans les films? Espèce de bleu. Ah, elle était trop magique celle-là. Alors, ta-ta-ta-ta-ta. On pose, on pose, on pose, on pose. Voilà, on se casse maintenant. Non, mais reste pas, s'il te plaît. Voilà. Ouh, c'était limitrophe. Hein. Ouais, il n'y avait pas grand-chose à faire en fait. J'essaie de continuer pour voir si. Ah! Que dalle. Oh! Que dalle. Après c'est les bas-fonds. Fallait que j'aille au bas-fond de toute façon. Et si vous j'aille au bas-fond. Le bas-fond. C'était où? Mauvaise alchimie. Nanana. Non, c'était jonction et les bas-fonds. Il n'y avait rien dans les bas-fonds. Les bas-fonds, il n'y avait rien. Bas-fond. Bas-fond, rien. Rien, bas-fond. Bas-fondé. Chevalier de bas-fondé. Non? Que dalle. Est-ce qu'on va péter la tronche au flic alors? Eh bah écoute, on va péter la tronche au flic, zone industrie. Allez. Bon, je reviendrai voir Holmes après. Parce que de toute façon, il y a le Schmidt qui est pas loin de chez Holmes. De chez Holmes, pardon. Et j'ai un nouveau niveau. J'ai un niveau! J'ai un niveau! Donc 2 points à dépenser. Le corps à corps, j'en sais pas vraiment en fait. Pourquoi je me mettrais pas du Pirate Edge? Allez, augmentation de la concentration, mon gars! On arrête. Mercredi. On arrête de rigoler, j'ai dit, on le m'a mis 2 fois, voilà, c'est l'épisode du fake, c'est pas pour rien. Ah ouais, c'est tout. Ouais. On fait de ma gueule la régénération. Hop, hop. Ok. Un coffre. Bon, j'ai déjà visité tout ça, apparemment. Mario ou quoi, vite ça. J'ai bien fait de pas descendre, dis donc. Fail numéro 2 ou quoi? Alors. Mais complètement, complètement, je suis complètement dans le fail. Donc on va s'occuper de lui. Piou, 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 et je vous piou, piou, moi. Hop. Ah, je peux pas, 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 je peux pas. Hop là, salut! Ah, mais il peut me tirer dessus, oh, le salopard. Oh les salopards. Ah, il va falloir que je sois rapide, précis, efficace. Douche, 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 douche! Douche, douche, douche! Ah merde! Douche, 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 douche! Hop! Oh là là, il y a le troisième qui se pointe. Ça va devenir. Ah, difficile. Hop là. Piratage de ta face. Ah mais ils sont rapides, la vache. Oh, foutu à terre. Piratage de ta face. Oh ouais. Pourquoi? Ah ouais, bien joué. Ah, des fois je me bluffe comme ça là, je voulais pas appuyer sur le stick. Enfin, c'était pas voulu quoi. Mais piratage! Bim! Ouch! Ah ouais, tu la joues comme ça toi. Oh! Ah ouais, tu la joues comme ça encore. Mais je te hack toi! Je te hack! Bim! Oh là là, ils sont costals quand même un peu les mecs. C'est pas la même rigolade, je pensais que j'allais être frais, mais en fait non. Bim! Prends-toi un coup de latte dans les valseuses. Je mets un grand coup de latte dans les valseuses. Ils ont plein de dollars sur eux, c'est bien ça. En plus, j'avais déjà fouillé ici, mais comment c'est que ce retour de situation, que ces gens qui sont là? Entrepôt des... La vache! C'est chaud, hein. C'est SLI. Parce que là, moi, tout de suite, j'aurais lu entrepôt des suceurs.
Donc faites gaffe les mecs quand même. Comment vous. Hein? Quand même. Mais attends, on va reprendre de la life. C'est pas possible. Il va falloir que je me sorte un flingue, je crois. Il va falloir que j'arrête de jouer le mec. Non! Ouais, mais j'ai pas le niveau. Ouais, voilà ça. J'ai pas le niveau! J'ai toutes les balles, mais j'ai pas le niveau. Pourri. Ah, une jolie pipe en bois! Oh, une jolie pipe en bois! Qu'est-ce que je peux foutre avec cette merde? Joe, le nouveau code pour le garage. Oh, les enfoirés! Oh, je l'avais dans mes datas. Je t'exposerai. T'as oublié un L? Je t'exploserai. Tu es fini à mon tour. D'accord. Ah, mais c'était les trucs de. Oui, d'accord. Mais pourquoi tu veux que j'utilise ça? Ça sert à quoi ça? On s'en fout ça. Mais ça aussi du coup. Bon allez. Je vais taper la tronche à l'autre con. Mais il me faut de la life quand même. C'est pas juste. Il n'y a plus. On y va doucement. On va pas se prendre une douille. Mais je voulais remonter. Hey. Tudum, j'appuie sur le bouton, il se passe quoi? Ah ouais, là ça pue du. Ouh. Je me suis rattrapé sur le trottoir, c'était chaud. On recommence parce qu'on est un noob. Hop. Bon, on va aller là d'abord. Ça semble plus mieux. Ouais, mais tout ça, j'avais déjà fait. À quel réseau des slicers? Mais j'avais déjà fait tout ça. Mais ouais, j'avais déjà fait. Je prends pas pour un. J'étais déjà venu dans leur entrepôt. Mais il n'y avait pas la mission. Ça se trouve, je l'ai buté l'autre. Non, je pense pas. Ça, sans déconner, il n'y avait plus rien, quoi. Vraiment. J'ai vraiment tout fait, quoi. C'était chaud. Bon. Très bien, ouais, il y avait même une caméra pétée, là. Je l'avais pas vu. Ça veut dire que je l'ai détruit ou quoi? Il faisait partie des trois gars là, c'était sans déconner, c'était ça? Bon, c'est vrai qu'ils étaient chauds, mais. Ah non, ça pouvait pas être ça. Attends, est-ce qu'il serait pas par là? Je suis pas sûr qu'il soit par là. Je suis pas sûr qu'il y soit pas non plus. Mais c'est quoi? Il y a trop de salles là-dedans. Oh là là, puis ça descend en plus. Non, mais tout ça, j'ai déjà fait, je suis désolé. Alors je vais quand même refouiller, hein, parce que bon, c'est juste un truc à lire. Télécharger schéma. Oh, excellent. Porter la tenue de combat. Tenue de combat. Porter les vêtements classiques. Les vêtements classiques. Non, mais c'est pourri. Tenue de combat, c'est mieux. J'ai des boulettes. Un autre schéma, j'ai pas eu d'autre schéma. Donc ça c'est ça le fameux MAU là. Truc qui fabrique donc du coup et à mon avis ça doit aller, y en a vu qu'il y a trois cases, ça doit ressembler au. Ah là je suis en tenue de combat, voilà. Bim. Prends-toi ça, tenue de combat. Qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que c'est? Voilà, il doit y en avoir trois. Il y en a deux qui m'intéressent vraiment. Et la seule qui m'intéresse pas vraiment, c'est celle que j'ai. Super! Super! On va continuer à se balader, Super. Ouais, non, ici, non, non. C'était pas là. Physiquement, c'était pas là. Pourquoi je fais ça? Comment attends. Attends.
Comment je peux accéder à l'escalier qui est là? Jusque là, bah ben voilà, j'ai qu'à. Oula! Je vais peut-être aller trop. Voilà! Est-ce que ça s'ouvre là? Ah, il y a une radio. Donc on n'est pas loin. Pas dedans, quoi, le mec. Ça sent bon qu'il serait là, je pense. Oh oui! Ça sent bon qu'il soit par là. Mais j'ai pas la fréquence de la radio de son bras machin, donc il y a une attaque que je pourrais pas enlever. Mais je devrais pouvoir quand même le squeezer, je vais m'équiper direct de ça. Comment on... Ouhouhou. Attention, première utilisation d'une arme. Connard, je sais pas qui t'es, mais continue à marcher sans te retourner. Je suis pas ici pour bavarder, connard. Amène-toi. Ouais, non. Navarro, ça te dit quelque chose? Quoi, la série sur TF1? J'avais su qu'il enverrait une gamine faire son sale boulot. J'aurais foutu une balle entre les deux yeux, pas dans le ventre. Bah ouais, il avait un trop gros ventre, il a absorbé la balle. Et ouais. Bah, je connais tout ce feu envers qu'il a dedans, gamine. On dirait bien qu'il a pas compris mon dernier message. Je vais devoir lui en envoyer un autre. Hack, hack, hack. Hack, 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 je te hack. Ah, ça lui fait rien. Génial. Nye. Prends-toi ça. Partie terminée. Il faut absolument pas qu'il me touche, en fait. J'ai pas de vie. J'ai pas de vie pour le faire. Mon Dieu, j'ai pas de vie. Ouais, je vais être obligé de retourner voir le médecin, je pense. Parce que là, j'ai vraiment pas d'autre solution, quoi. Allez, je la retente quand même. Le fail est en moi. Je peux ne pas y arriver. Voilà, 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 voilà. Bon, c'est bon. Tout prix, il y a déjà plus rien. Eh, pourquoi je fais ça? Mais c'est... Juste un aller-retour, j'arrive. Juste un aller-retour. On va s'acheter des trucs déjà. Qu'est-ce que t'as à vendre? Purée, t'as que dalle. Ah mais non. Mais voilà. Mais voilà. Pourquoi il achète pas des trucs comme ça et... Voilà. Voilà, j'ai acheté pas mal de bails. Je vais faire d'une pierre deux coups, je vais quand même aller voir le médoc. Le doc. Et du coup, je suis au bon endroit, j'espère. Non, je suis pas au bon endroit, j'espère. J'ai eu quartier de wesh. Quartier de la wesh. Hop là. Paye ton mes doc. Doc. Si merde, salut, ciao. À la prochaine ou pas. Oh, du coup, j'ai même plus la tenue là. Oh l'autre, eh. On va me scouser ma tenue. Oh lui, eh. J'avais une tenue de combat et tout, et oh, on faisait la guerre. Oh purée. Alors là, je suis déçu. Déçu du genre de la déception, quoi, qui me déceptionne beaucoup. Ah, mais du coup, j'ai pas ma tenue. Attends, non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, faut la tenue, faut la tenue, c'est pas possible, et c'est pas possible. C'est l'injonction ou c'est dans les bas-fonds? C'était dans les plafonds.
Non, mais en vrai, on va aller dans la zone industrielle, hein, et on va taper la tronche à machin sans la combinaison parce que là, j'ai pas le temps. J'essaierai de la retrouver, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave, oh, faisais pas la tête. Ah, mais. Ah non, ça peut pas être ça. J'ai bien aimé comment elle a grimpé l'escalier. Mais t'es sérieux, toi? T'es encore plus sérieux. Voilà. Quand même pas compliqué que ça. Attends, il y avait quoi là-dedans déjà? Que dalle, ouais, c'est vrai. Si, la radio. Mais j'ai pas la fréquence, ça m'énerve. Parce que si je trouve la bonne fréquence, je peux lui squeezer son matériel à l'autre. Au méchant, là. Je vais. Devant qui je vais mourir. Ouais. Paye tes trucs, paye tes trucs. Blabla, 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 blabla. Blablabla. Oh, 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 oh. Vas-y doucement mec. Hein? Parce que c'est fragile. Hop là. Et moi j'ai pas d'armes moi. Nope. Tu tireras pas, tu tireras pas. Tu tireras jamais. Il n'y a pas une balle qui sort de ton fusil. C'est terminé. Je te boxe. Watcha, watcha, je te boxe rien du tout en fait. Hop 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 hop. C'était quoi le mouvement que t'allais faire là? Avec ta bûche là? Ouais genre mais Dish. Ouh! M'a mis un coup! Ouais non mais. Fais pas trop de la merde non plus, ce sera sympa. Sans déconner. Dib. Il me les place, je suis pas assez rapide. Tu feras rien. Je sais que tu faisais rien, mais comme ça tu vas continuer. Purée. Hop hop hop! Là t'allais faire un truc. C'est marrant, ça, on a tous les deux mis un coup dans l'autre sens, dans l'opposé du adversaire. Où tu croyais que t'allais. Oh, puis en plus, celui-là, je te cale bien. Je suis en plein mouvement même. Ah ah. Ouais, d'accord. Comment je te macomoule. Tu peux rien faire. Hop, hop, hop. Oh, est-ce que vous le voyez, ça? La roulade pour esquiver le coup de pied. Je sais même pas si je l'aurais esquivé finalement. Ah bah celui-là m'a. Ah, je suis plus fort que ça! Comment t'as? T'es qui? T'es où? T'es quoi? Je suis celle qui va te livrer à 9h. Je suis celle qui va te livrer à 9h. Soit te tuer. Quoi? Ah, soit te livrer à 9h, soit te tuer, d'accord. Arrête, écoute, c'était mon dernier contrat, regarde-moi, je suis trop vieux pour ce boulot. Tu vois bien que j'étais prêt à arrêter, je te dis la vérité là. Je peux continuer. Laisse-moi partir. Et je disparaîtrai. Tu me reverras plus jamais dans cette ville. Je te transférerai même du fric. J'ajouterai un implant. Allez. Faut avoir pitié. Et ça peut être pas mal. Mais c'est chaud, j'ai pas fait de sauvegarde. Je vais le froisser si ça marche pas. Je suis pas là pour négocier, poteau. Rends-toi à la police. Ouais, sinon je lui demande tout ce qu'il a. Non, mais non, mais j'aime bien, il y a eu coup de persuasion là-dessus, là. Puis j'ai pris le truc de persuasion, alors non. Non, 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 rends-toi à la police, toi. Avant, on m'a raconté ce que t'es devenu, comment tu as changé, pourquoi tu as changé. Tu es affaibli, Connor. Même si je te laisse filer la prochaine fois, le prochain le fera pas. Ouais, tu seras plus en sécurité dans une cellule. Ah ouais, c'est vrai, ça. Qui voudra encore t'embaucher quand tout le monde saura qu'il faut. Oh putain. Ne t'en fais pas pour moi, je sais comment gérer une réputation. Allez, laisse-moi partir, je te filerai du matos, de pro et des armes.
J'avoue que je te buterais bien quand même. Mais est-ce que je peux pas te prendre ce que t'as à me donner et te buter? C'est mieux. J'hésite. J'hésite vraiment. Bah, c'est pas grave, de toute façon, si je te prends ton matos et que tu reviens, je te bute. Donc, quoi qu'il arrive, je serai gagnant. Allez, fais péter le matos. Bras, 500 crédits, un viseur rétinal. Attention, encore une fois avec ça. Lydia, super, c'est super. Merci de fond du cœur, même si j'ai du mal à comprendre comment vous êtes prise. Ce monstre aurait pu abattre un rhino à main nue. Saleté de cyborg d'Armagir, Burke. Ah, c'était les gars d'Armagir. Qu'est-ce que vous faisiez avec les slicers? Qu'est-ce que les slicers? Vous m'avez l'air un peu trop précieuse pour trafiquer avec des gangs. Que pouvez-vous me dire à propos d'Armagir? Qu'est-ce que genre la corporation? Que Armagir, qu'êtes-vous? Que vous voulez Armagir, qu'êtes-vous? Ouais, non, mais la première, c'est bien. Je le prends ça comme un compliment. J'avais besoin de leur aide, de leur protection contre Armagir. Mais comme vous pouvez le voir, ils n'étaient pas à la hauteur. Ça leur apprendra à ne pas respecter ce genre de boulot à l'avenir. Qu'est-ce qu'ils veulent façon Armagir? Pitié qui? Lydia. Je travaillais pour eux, chercheur principal en armement biologique. On peut dire que j'étais un atout précieux. Et puis, j'ai reçu une meilleure offre, une compagnie étrangère. Je ne sais même pas encore qui, tout est ultra secret. M'a fourni un programme de ta gueule de moi. Juste au cas où Armagir serait triste de me voir partir. Quand j'y pense, ils avaient bien vu venir leur réaction. Je comprends rien à ce qu'elle dit. Normal. Bref, ils étaient censés procéder à mon extraction, quel règlement, et m'amener au point de rendez-vous. Ensuite, mes nouveaux patrons m'auraient emmené dans leur labo. Et tout ça s'est transformé. Mais tout ça s'est transformé en cyborg et bataillon d'Armagir. Je viens de sauver un traître. Vous réalisez que la nation n'est plus qu'un joli mot à la tribu. J'espère. Enfin bref. À foutre. Bon, je veux bien admettre ne pas avoir beaucoup d'options. Ok. Mais vous, qui m'avez l'air d'être une petite débrouillarde, vous pourriez pas me faire une ou deux suggestions par hasard? Et pourquoi je ferais ça? Par altruisme, solidarité, girl power. Ah, ta faux sur les trois points. Comment tu vas prendre? Voilà, une grosse liasse de crédit, voilà. Ouais, j'écoute toujours, vas-y, ouais. Ouais. Les coordonnées de son point d'extraction. J'imagine qu'elles sont stockées au serveur du bateau l'Eclipse, sûrement fortement crypté. Il faudrait être une championne du monde du cryptage ou au moins une sacrée chanceuse pour y arriver. Et comment on accède à l'Eclipse? Il ne sera pas à quai, il a jeté l'ancre à quelques mailles au port. Pour l'atteindre, il faudrait soit être nageuse sur Maine, soit trouver un autre bateau pour vous y emmener. Un autre bateau, hein? Hey ho! Allez-y, je m'en occupe. Prépare le pèse. En face de l'hôtel Capsule en centre-ville, il m'attendra. Ok. Je reviens de voir dès que j'ai les données. D'accord, pas de problème. Je peux. Il y a quelque chose à faire là. On peut sauter, on peut. Non, on peut pas. Ok. Donc je me tire. Je vais me retourner au docks. Déjà voir le docks. Hop là. Mais pourquoi j'ai fait ça encore? C'est tout nul. Alors, on retourne voir le docks pour prendre de la VIX. Et ensuite de ça, j'irai au docks. Nye. Ah non, j'ai encore. Ouais, j'ai encore l'autre à retourner voir le Tony. Le Tony! Ouais Doc, fais péter la vie. J'ai trouvé un implant de plan stop. Tu peux m'installer celui-là? Pas besoin d'un implant.
Mais c'est parfait, mais c'est parfait. Et t'avoues, je prendrai l'argent? Comment ça? Ouais, vas-y, je l'installe, moi, 200 crédits, vas-y. J'ai l'impression qu'il est marrant ça, avec la tête et les bras qui bougent quand je lis. Ah, pourquoi je fais ça encore une fois, j'ai pas oublié. Ah, mais je vais même pas demander du je vais même pas demander du soin. Ah, vas-y, paye ton soin là. Et ben voilà. Mais pourquoi je fais ça? Je peux me téléporter. Je vais jamais m'y faire à cette idée. Et on va chez Tony. Eh, on est chez Tony. Ou devrais-je dire, on est chez Tony. Donc, il y a le PC qui foire, il y a tout qui pète. Et il y a Decker et il y a Tony. Et c'est quoi? Et une recharge en concentration. Ouh! Ben voilà, ça c'est fait. Je crois que je suis rechargé en concentration. Et on va parler à Decker dans le prochain épisode. Eh ouais. Et bah ouais, bah oui, c'est comme ça. Allez, je vous laisse là. Passez une bonne soirée et faites pas trop les fous hein, quand même. Allez, ciao! Tchou.